Et je viens de Clermont-Ferrand, Lyon, entre les deux.
Un bel, 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 un
fougère, je viens t'offrir mes voeux. Je te vois si solette, tu serais bête fougère, ton troupeau et ton chien. Je ne peux pas comprendre qu'une beauté si tendre reste ici sans moyen. Si tu veux la bergère, me donner ton amour, je quitterai la noblesse, les dames de la cour. Les bergères sur leurs bêtes fougères sont 100 fois plus heureux que toutes ces demoiselles qui sont riches et belles auprès de leurs messieurs. Le loup de sa purée rentre dans ma bergerie, n'emporte qu'un agneau. Et vous, par votre langage, voudriez pour gage tout ce que j'ai de plus beau. Gros lourdeau du village, aura-t-il ce bonheur d'avoir des avantages sur cet aimable cœur? Je ne peux pas comprendre qu'une beauté si tendre soit pour un paysan. Je lui ferai la guerre en toutes les manières, à la rigueur du temps. Thank you.
Ouais, je vous ai pas dit en fait, mais la chanson précédente, en principe, c'est l'occasion rêvée pour emballer en fait, dans une soirée. D'ailleurs, bon, le choix des sons, l'arrangement, vous avez mis sur la piste, je pense. Très imagé. Faites confiance à vos premiers instincts, vos premières images mentales qui viennent. En général, c'est les bonnes. Donc là, c'est le passage où en fait je parle et où j'ai des branchements à faire. Donc je fais des gestes comme ça, par exemple de changer un câble qui était ici, là. Mais ça sert absolument à rien, c'est juste pour vous montrer qu'il y a des possibilités offertes par la technologie. Notamment ces câbles, en fait, très bien, qui permettent d'avoir des petits connecteurs et des gros connecteurs. Ça, c'est très important dans la technologie moderne. Et ça, les magasins de guitare n'ont pas encore compris. J'ai beaucoup de problèmes avec eux. Et je vais monter un syndicat, des petits jacks vers gros jacks. Ici, il y en a à peu près 15. Voilà. Mais bientôt, je vais monter toute une tournée autour de la thématique des petits jacks vers gros jacks. Voilà. Pour ceux qui sont intéressés, on peut en parler après. Thank you.
aussi. Oh non, oh non, le pauvre, veux-tu nous pardonner? Oh non, 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 le pauvre, veux-tu nous pardonner? Toi ta voyage, que c'est ça qu'on n'a pas rivardé. Toi ta voyage, que c'est ça qu'on n'a pas rivardé. Ça, c'était une bourrée à trois temps. Normalement, ça se danse. Enfin, normalement. Enfin, ça peut se danser. Et Jésus s'habille en pauvre, en fait, c'est une chanson qui est répandue à peu près dans toute la France, qui était une chanson aussi appelée La Passion, donc qui parle de Jésus, comme il y en a des milliers. Et en Auvergne, en fait, c'était une chanson qui était chantée comme chant de réveillé. Alors, les chants de réveillé, c'est des chants de quête, en fait, au moment du mois de décembre, en gros. Au solstice d'hiver, dans les villages, les gens allaient, il y avait des petites troupes qui allaient d'une maison à l'autre et qui venaient chanter des chants et qui venaient demander des œufs, du lait, des trucs à bouffer. Et bon, ça c'est vraiment très vieux et dans la première moitié du 20e et dans la seconde moitié du 20e, il y a eu des gens qui ont commencé à s'intéresser à ça. Et il y a eu pas mal de réveillés qui ont été collectés, dont celui-ci, qui s'appelle Jésus s'habille en pauvre. Et moi, je trouve que c'est hyper drôle. J'imaginais Jésus au carnaval, en fait. Je me disais, bon, voilà. Tout le monde peut s'habiller en Ponce Pilate, en Jésus, en qui veut, en fait. Grande célébrité, des personnages illustres. Mais Jésus, c'est un peu nul, quoi. Et du coup, il s'habille en clochard. C'est mon explication de cette chanson. Et donc là, c'est ma dernière chanson. Nanette ma fanchette, mon petit cœur mignon. Nanette ma fanchette, mon petit cœur mignon. Oh, je te donnerai mon cœur et mon argent, mais pour que tu m'y rendes mon cœur content. Oh, je te donnerai mon cœur et mon argent, mais pour que tu m'y rendes mon cœur content. Mégalant pour t'y rendre ton cœur content, mégalant pour t'y rendre ton cœur content. Je m'y mettrai rose, roseau rosier, jamais tu en auras mes tendres amitiés. Je m'y mettrai rose, roseau rosier, jamais tu en auras mes tendres amitiés. Mais si tu t'y mets rose, roseau rosier, mais si tu t'y mets rose, roseau rosier, moi je prendrai la forme d'un jardinier, je cueillerai la rose sur le rosier. Moi
je prendrai la forme d'un jardinier, je cueillerai la rose sur le rosier. Mais si tu prends la forme d'un jardinier, galant, si tu prends la forme d'un jardinier, moi je m'y mettrai lièvre, lièvre au champ, jamais tu en auras de mécontentement. Moi je m'y mettrai lièvre, lièvre au champ, jamais tu en auras de mécontentement. Mais si tu t'y mets lièvre, lièvre au champ, mais si tu t'y mets lièvre, lièvre au champ, moi je prendrai la forme d'un chien courant, j'attraperai le lièvre dedans le champ. Moi je prendrai la forme d'un chien courant, j'attraperai le lièvre dedans le champ. Mais si tu prends la forme, maman, jamais tu en auras de mécontentement. Je m'y mettrai étoile au firmament, jamais tu en auras de mécontentement. Mais si tu t'y mets étoile au firmament, mais si tu t'y mets étoile au firmament, moi je prendrai la forme blanc, jamais tu en auras de mécontentement. Moi je prendrai la forme d'un nuage blanc, j'attraperai l'étoile au firmament. Merci beaucoup. Je voudrais remercier très chaleureusement l'équipe de La Souterraine pour m'avoir invité et puis pour le soutien inconditionnel. Je crois qu'on peut dire inconditionnel. Voilà.